Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Mbote bande koubalandi radio parole vie. Shalom. Tika Yesu-Christ Nazareth, le maître du ciel et de la terre, vous fasse grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Merci à vous qui aimez cette émission parole vie, vous qui la soutenez, qui la partagez bien sûr, que le ciel vous soit ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, parole vie est une émission à caractère évangélique qui a un seul objectif. Yakomi mami tema, yabanan nzambe, pimi tema bay bay bin nzambe te liboso. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à toi, Éternel, et tu as envoyé ta parole, et ta parole guérit le fils échappé de la fosse. Que la parole qui avait guéri hier, nous te prions que ça puisse guérir aujourd'hui, demain ou après-demain, afin que Christ tu sois glorifié en nous. Nous te recommandons ces moments très saintement. Règne en roi et en maître, que ta parole soit scellée dans nos cœurs, afin que Christ, tu sois réellement glorifié dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Le Saint Morangéza était bien aimé. Malakisi, o topé, matia, oyo, yaya, ezala, pole, e kongeng samute, manayo, de koza branché la radio parole vie. La Bible dit, Jérémie Zobana, chapitre 15, verset 16, j'aime la parole. Abi, je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Le que peut que c'est mon amour, tes mamoutou. Ils ont bon goûté. Ils appellent balaté. Ils appellent banaté. Ils ont ôté tout le cas sur tes yeux. Ils ont pu s'abstenir de mon amour, tes yaya. Au réaliser, l'homme est un éternel insatisfait. Moutou a zoluka. A zoua fiancé. Sois-tu fiancé, akoma na posa babalana. Mutu ope si babana na fiancé na ye, akoma na posa bazwa bana. Mutu ope bandubo ta bana, akoma na posa nzamba batela bana. Ou réaliser, via moi na nzambe, besoin e bote ka besoin. Poso sa nango lelo so komine loko wana, lobo sa na besoin, parce que loko wana e bote le so besoin. Mutu ana posa musala ozwa musala. Tonga bandu sala ozana posa promotion. Voyez, c'est ça. Chers bien-aimés, t'aimes-tu partager les lots? J'ai eu le temps de lire la Bible. Je l'ai toujours dit. Je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Na tia kabasi pe mi bala kondima. Na tangi biblia. Bien-aimés, je me suis rendu compte que les gens ba na nzambe belé satan azo saboter. Vie na bango, misala na bango, topé destiné. J'aime David. David a dit, Seigneur éternel, mes destinées sont dans ta main. Lobi a bon mwenanga. Aveni nanga ezana maboko na yo. David avait compris. Parce que Saoul a luka David de manière rebellée. Pour bon misaye. Mais le kolazaki na kata plan nzambe nzamba protéja ki David. Jusqu'à ce que David a koma ki et pas nzamba sepela ki a koma par sa grâce. Ya tem tolo bela lwe zali. Le sabotage. C'est le thème, c'est le sujet que Dieu m'a mis à cœur de partager ensemble, chers auditeurs de la radio Parole Vie. Le sabotage. Donc, tu as le sabotage. Moi, tu as le sabotage et tu as le verbe saboter. Saboter, et ça, en fait, c'est faire vite et mal un travail. Faire mal une tâche dont on est chargé. Que ça est le moment bon. Que ça l'on peut bien te. Saboter, c'est détériorer. C'est ça. Que bébé ça. Détériorer, et ça que bébé ça. Se mettre en mauvais état. C'est ça, détériorer. Mettre en mauvais état. Tu peux que bébé ça. Tu peux dommage. Cher bien-aimé. Et ça n'a pas de réaliser que saboter la vie. Et ça n'a pas de réalité que tu as dans la vie.
y a des problèmes. Les ambassadeurs sont sabotés à la bâle. Dans ma famille, je suis balaté. Je suis sépélaté. Je suis témoigné. Je suis avancé. Pourquoi? Il y a un sabotage. Je suis dans ta famille. Ko bébé, ça panza. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. L'ennemi Satan, l'ennemi diable, le voleur, il vient pour voler, détruire, égorger. C'est ça la mission du diable. A quoi il y a beau santé? A quoi il y a beau succès? A quoi il y a beau loco? C'est ça que c'est en mouté manayo. A quoi il y a beau santé? Puis à quoi détruire? A quoi détruire santé? A quoi détruire projet Tolibala? A quoi détruire vie chrétienne ayo au temps samaka na masumu au monde le beau kwanzambete? A quoi détruire nyonso? Ensuite à quoi égorger te pas kubuma? Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie, lisons rapidement la parole de Dieu. Toba thème tolobelezali sabotage. Nous lisons le livre de Juges chapitre 6 en commençant par le premier verset. Écoutez ceci. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel, oh, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Bana Israël basa ki li soume pa na Nzambe. Et tambola bango za ki malam te li boso na Nzambe. Nzambe a livré bango na maboko ba Madianite. Na maboko a Madian pendant 7 ans. Oh, chiffre 7 est un chiffre à perfection, tu as repos. Donc Israël a zanga ki repos 7 ans. Tala traitement yaba Madianite et peine bana Israël. Écoutez ceci, cher bien-aimé. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Israël, peuple de Dieu, peuple choisi par Dieu, mais Dieu les a livrés. Nzamba livré bana maboko ba Madianite. Pona Israël alonga lokola maboko ba Madianite ezaki puissante. La main des Madian était puissante contre Israël. Israël a zokima. Naba ravin. Naba mabulu. Naba lubwaku. Écoutez maintenant ceci. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et marchait contre Israël. Oui. Israël attaque ba Madianite. Ba komaki puissant ke bango. Israël n'avait pas croisé les bras. Israël s'aimait. Abande kolona Israël a kanga mabokote. Pendant que Israël a zolona, ba Madianite bazo matana ba Amalécite. Na Amalek. Madian ba sanga na Amalek. Na ba fils ya Orient. Il marchait contre Israël. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Oh! Israël, bazo kima, Israël soit aloni, production Israël est mon ennemi sabato. Mais l'eau qu'on a bango, yabana Israël est commis peine à kobuka. Ou réalisé, banguna ba mati. Ba mati ba bandi ko détruire production ya pays ya Israël. Bien-aimé, ezana ba te belé a komi prêt à simba li pamboli. Y a une force ou telemi détruire li pamboli na ye. Israël azo ya azo représenté peuple de Dieu, tope o yoza. Madianite, Madian to Amalek, to ba fils de l'Orient. Bazo représenté ba to abundisa vie na yo. Bazo ya bazo détruire production à Israël. Chers bien-aimés, ils ont battu les bons combattre les pamboli na yo. Les pamboli ezan eloko nyonso ezo sale sengo na yo. C'est ça la bénédiction. Israël aloni tango komi pene akobuka. Ba Madianite ba ba détruire production. Ba tiki na Israël eloko ata akolia mukete. Yaya, ezan battu les ba bebisa nyonso na vino ba tika otene eloko te.
batiki ni brebi ata Israël ba bokoli ba nyamba ba koli bango so baye avec objectif ba le lisa Israël et ça ba tumsuya ba sana objectif yole la ba le lisa yo mon frère ma sœur nani le lisa kayo yaya nana le lisa famina yo ozana ta unusu ba larme kitaka rien ne va dans ta vie. Rien ne marche, rien ne change, cher bien-aimé. De cause on angaï avec beaucoup de larmes na miso. Israël a koma kina suka et loko ko liezate. Rien ne va. Tant autant à verset 5 la Bible dit car ils montaient avec le troupeau et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Bande ko mata pour ba ravager mboka Israël pour ba lelisa batu pour ba détruire production israélienne pour Israël batika na maboko pamba pour ba saboter li pamboli ezana ba tebele chers frères et sœurs bazoya avec objectif ba saboter bénédiction na yo ba saboter sengo na yo ba saboter vie na yo avec un seul objectif bazo mata ba siluse sengo ba siluse kimia. Qui est cet homme? Azoluka passe na yo. Azoluka kolela na yo. To pe ko sila na yo cher bien-aimé. Bazo matebele, bazo lokola mabanki. Mwakuta ko tanga bango za te atabe nemi no baze bele. J'aime la parole. La Bible me dit si l'ennemi se présente comme un fleuve, oh! L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Atabe ngunda no baze bele lokola mabanki. Tikabaya. La Bible me dit bakwana nzela moko kasi bazonga na banzela sambo na biba to no suba telema baluka pasi no po balelisa yo bakokuta na Yesu Masi a Nazareth. Je suis le prédicateur de la bonne nouvelle na teka basi pe mibala kondima batuba luka ka pasi na yo kosila na yo kande no luba so ndimili lobo ya elati nzoto na bomo na yo na teyo sango malamo nimi omoni bikamo na nzambo tatoli nzamba zui lokumu satana kufisa misoni. Nazote ayo mon frère ma sœur, c'est possible. Benemia vino ba kwaya poetika la kotelema. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'est que Jésus-Christ en Nazareth nzambo tondimela asabnongo le pebolam. Yesu ma sœur Nazareth te pécho merci. Pour na malaxi oyo ya tongwa lelo. Kololete écrit le juste sont délivrés par la connaissance. Katana pas sotinda ki maite. Mungwa te mafuta te. Quand il y a eu le bas, il y a eu le bas, il y a lumière. Na pepe na yo afin que Christ soit glorifié. Na mitema ya ba oyu baza ya yo tata. Tika li loba na yo nkolo eza loko la mai oyu supa na mitema ya pepe na yo na kombo ni su Christ Nazareth. Amen. Merci bien aimé. Na ba tango nyo su na simako kama te ya loko la boye. Partage ango. Kotika ngote po na yo moko. Tika yesu Christ Nazareth abate la. Doko si mam na mate ya. So ringo so mati aloko la batu musu supe na zela WhatsApp, tupe na RK Pro TV, ou koko me la biso na plus 743 89 670 76 01. Ou koso ngan de gona bino pasteur Herbie, tupe na plus 743 89 75 70 917. Tika yesu Christo anasaka tindambo tundimela, asam nongolu pebolam, so Christo amezongeli te tokutani bongo lobby. C'est qu'à Yusuf Christ en Nazareth, à Sanongo le Peuple. Merci que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment.